Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Et pour ma toute première vidéo, eh bien on va ouvrir des sachets de porte-clés de Tsum Tsum. Et aussi je vais vous montrer le début de ma collection parce que je suis quand même petite et que j'ai pas forcément de l'argent pour m'acheter tout ça. Donc on va ouvrir le premier sachet. Merci. Alors. Oh. Voilà. Je ne sais pas du tout qui c'est. Je crois avoir reconnu. Okay. Je vous montre le coloriage. Déjà. C'est qui? Ah. Oh, c'est le chien dans Alice au Pays des Merveilles. Je le voulais en plus. Ils sont bien faits quand même. Et ils sont tout durs. Je pensais que ça allait être comme ça, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien quand même. C'est plus solide. Bon. Puis on a une petite image. Ah, c'est trop mignon. Hop. Ensuite, on va passer au suivant. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a comme dans la collection. Il y a Elsa, Anna, Olaf, Bourriquet, le chat que j'ai. Après Marie dans les Aristochats. Donc lui c'est le chat Shire. Après il y a Mimi et Mickey. Voilà, c'est la première série, donc il n'y en a que 8. Mais. Ah, c'est ça en fait. Voilà. Ok, on va passer au suivant. Ça peut être ici. Je suis en train d'aller mettre ici. Oh, c'est Mickey. Ça, c'est le coloriage. Oh, ils ont mis plusieurs fois Mickey. Oh, c'est dommage. Il y a plein de personnages sur Mickey. Ça, c'est la même chose. Et Mickey. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Ça c'est Mickey. Oh. C'est comme le chat, sauf que c'est Mickey. En dessous. Oh, il tombe. Voilà. On passe au suivant. Alors, moi j'aimerais bien avoir Marie. On va voir. Je vous montre l'intérieur comme ça. Vous me dites. C'est qui? Je sais pas du tout. Voilà. On va voir. Ça va. C'est elle. Oh, il n'y a que Marie dessus. Ils auraient pu faire ses frères. Non, j'ai rien dit. J'aurais pu faire Toulouse et Berlioz. Je vais ouvrir. J'ai eu de la chance, hein. Pas tous les jours que ça m'arrive. Elle est belle. Et le dernier. Ça va vite quand même, il n'y en avait que 4. Voilà.
Ah bah j'ai déjà coupé un petit peu les coloriages. Et alors, qui est-ce que ça peut être? Oh. Je cache. Je vous montre. Coloriage. Je ne regarde pas. Attends, il est pas bien. C'est bon? Tu peux regarder? Alors. Ah, bah c'est Mimi. Bah elle va être contente, hein. Elle est qu'avec. Ah, c'est bien quand même. Il y en a 8 dans la collection, donc comme ça, la prochaine fois, bon, on achètera 4 paquets. Et puis si j'ai de la chance, comme là, j'ai pas eu de double. Comme c'est des pochettes surprises, ben on sait pas, hein. On ne sait pas. Ah. Elle ressemble beaucoup à Mickey, sauf que ben on voit que c'est une fille. Hein. Le nœud et puis les yeux. Puis là, il y a la petite image. Bon ben. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, les coloriages. Ah oui, c'est le lapin qui avait les yeux rouges en dessous de ce main. Donc, ben, je vais vous les remontrer tous une fois, vite fait. Et après, ben, on va passer à ma collection. Alors, je remontre le chat avec l'image ici. Le chat va bien avec les couleurs de mon cartable. Bon, après, je vais pas trop les abîmer, moi. Marie. Mimi, ouais, je n'ai pas fait dans l'ordre. Et Mickey.